Chers amis, frères et sœurs, bonjour, la paix bon Dieu avec nous. Nous, c'est serviteur au pasteur Abraham qui entre la car au matin, dans le premier jour du mois de février. Nous souhaitons un bon mois février à tout le monde. Nous souhaitons ou t'es passé une très bonne soirée et nous souhaitons ou t'es passé un très bon mois de janvier. Matin, tu réflexionnons sur les paroles, bon Dieu, amène-nous dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 6. Il dit, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous, matin, à réfléchir sous parole, ça y est, pour nous, qui raison qui gagne, pour que nous continuions à rester dans la prière, et non seulement pour former nous, mais aussi bien que pour les autorités dans la zone que nous vivons. Nous voulons parler d'autorité, nous voulons parler de président, yo, nous voulons parler de magistrat, yo, nous voulons parler même du président, yo, nous voulons parler de président de tous côtés sous la terre. Et nous voulons parler de tout le monde qui a fonctionné dans le gouvernement. Donc, la Bible demande de nous pour nous prier pour eux. Les nous prier pour eux, ça va capable de mettre la paix dans le temps eux, parce que l'esprit de turbulence va capable de tomber loin eux. Et nous-mêmes, nous sommes capables de vivre une vie qui est paisible parce que c'est vers la sagesse avec intelligence qui sortit dans bon Dieu, qui a dirigé le monde. Alors, il y a une bagaille qui est importante, nous avons rappelé tout dans le moment ça, c'est le premier jour du mois de février, côté que nous allons commencer avec prière nous sur réveil spirituel pour nous prier pour toute l'Église, pour nous prier pour tout le monde, pour bon Dieu capable d'éclater ton réveil spirituel, la caille tout le monde, parce que la Bible dit, ça que bon Dieu voulait, les pas voulait personne monde périt. Livrer que tout le monde capable de parvenir à la connaissance de la vérité. Hein? Ça, c'est un bagage qui, bien aimé dans le Seigneur, qui clé. C'est clé à le verset 4. La Bible dit, alors le verset 3 et 4, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le moi-même avoir pris engagement pour nous, rester dans la prière pour les hommes, rester dans la prière pour un réveil spirituel, eh bien, qui te me dit, oh, nous entrer exactement dans le plan, bon Dieu, dans l'assignment, bon Dieu, noir, pour que tout le monde soit capable de sauver. C'est de voir moi-même, c'est de voir eux-mêmes, pour nous prier pour, monde, pour tout le monde qui vit autour de nous-mêmes, les membres du gouvernement, pour nous prier, bien-aimés, pour les églises, pour nous prier pour ma famille, nous, de manière que pour être capable parvenir au salut. Bien-aimés, c'est ton plaisir matin pour nous ensemble, pour nous déposer tes réflexions pour le matin, nos paroles, ça y est. Ou qu'à continuer à lire dans 1 Timothée, et pas seulement 1 Timothée 2, ou à continuer, ou à recommencer dans le chapitre 1er, aller dans le chapitre 2 jusqu'à la fin, et continuer à lire. Livre Timothée et livre à aider en pile. C'était un plaisir pour nous être ensemble matin. Hein? Nous quittons dans deux plans, mais papa bon Dieu, que bon Dieu bénisse, pas oublier avec Jésus. Ça faut pas qu'à passer mal. Même sous ta roue, font rêve ou perdu dans le sommeil ou pendant marcher marché ou perdu. Déclarer tête ou pas perdu. Parce qu'on va marcher dans Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc, puisqu'il est le chemin, donc par conséquent, pas de perdu. Pour moi, avoir en Jésus, pas de perdu. Pas de égaré dans l'autre. La. Même si tu as fait, nous a tombé sous, dans l'abdomen, ou tu as fait un rêve, ou tu as fait, nous a tombé sous, eh bien,
déclarer tête ou, pas nan fè noir, parce que parole bon Dieu dit dans Jean chapitre 8 verset 12, Jésus est la lumière du monde, celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Puisque convaincu que ou marcher en Jésus-Christ, eh bien ou pas marcher dans fè noir, ou gen lumière la vie a, donc par conséquent, ou pas gen aucun fè noir qui tombe sur route ou. Au nom de Jésus, déclarez parole ça au matin. Que bon Dieu bénisse et bonne journée dans le Seigneur. Bon Dieu bénisse.